しゃぶでも仕方ねえや憧れた夢なんだっけヒーローになりたいのうっぷっぷ願い口にする愛にくばかり続ける薬はないEt on se retrouve, ladies and gentlemen. Oui, ce n'est pas mon intro principale, ce n'est pas mon intro d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu changer. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Free Time avec, cette fois-ci, Kokichi. Dernière vidéo de Free Time. C'est tant attendu, Kokichi Uma. Uma, qui aime bien ben, le jus de tapioca, je crois. Oui, c'est ça, l'objet numéro 2 de Topioca. Bon, ça, c'est un truc qu'on a offert à pas mal de gens. Oh, pas mal, vraiment pas mal. Je cherchais justement quelque chose du genre. Si, si, je te promets, tu me connais, je ne suis pas un menteur. Déjà, là, il vient juste de me casser les couilles. Je le déteste. Tu viens me parler, tu ne tiens donc pas à la vie. Tu sais pourtant que je suis le despote ultime, non? Je sais, mais je ne vois pas trop le sens de ton appellation. Ah bon, je ne t'avais rien dit? Je suis le chef d'une organisation criminelle secrète. Oui, ça, je sais. Et plutôt connu, plus de 10 000 membres. Oui, je suis au courant aussi, mais je ne vois vraiment pas de quelle organisation il s'agit. Je ne t'avais pas dit que j'étais un menteur aussi? Si, ça aussi, je le savais. Mais je te confirme que c'est vrai. Pourquoi j'ai mal à la tête lorsque je fais pas? C'est ce que je me suis dit, là. Je me suis dit, mais putain, il va être slow. Mon organisation dirige le monde, dans l'ombre bien sûr. Et toutes les mafias qui peuvent exister sont sous mes ordres. C'est d'ailleurs mieux comme ça, sinon tout le monde se taperait dessus. Ah là là, moi je te dis, la paix, il n'y a que ça de vrai. Et c'est lui qui me dit ça. Oui, d'ailleurs, j'ai aussi la main mise sur le gouvernement. Je les fais obéir à grands coups de chantage et de pots de vin. J'ai des hommes un peu partout, à la Maison Blanche, au Kremlin aussi, à Wall Street, à Londres. Bref, je peux changer la face de la Terre en un coup de fil. Encore des mensonges, on va dire. Il ne me raconte encore que des mensonges. Ça ira, pas bientôt fini? Comment? Il ne me raconte encore que des mensonges. Ah, trouvé. Et oui, j'arrive à lire dans tes pensées. Ou pas, c'était juste écrit sur ton front. Nishishi, fais attention, ça pourrait bien te porter malheur un jour. Bien, tu en sais désormais un peu trop. Et tu vas devoir mourir pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as tout dit, je ne t'ai pas forcé. Ah, c'est vrai, pardonne-moi. Pour la peine, je le laisse vivre encore un peu. Tu es sérieux? Pourquoi le... Bien sûr, tu sais bien que j'ai horreur des mensonges. Ah, tu m'as cru? Il va être tellement chiant. Les pires free time du jeu. Et comme Kokichi aime bien les sucreries, on va lui donner un astro cake. C'est un très bon choix de ta part, ma foi. Tu commences à me connaître, on dirait. Quand je songe que tu as pensé à moi tout ce temps pour choisir ce cadeau, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es venu me supplier de ne pas te tuer? Pourquoi? Tu en as vraiment l'intention? Oui, bien sûr, je suis le despote ultime, ne l'oublie pas. Je dois tout faire pour protéger mon clan, même si ça doit passer par ta mort. Est-ce qu'il est sérieux? Néné. Alors, tu me supplies, tu te mets à genoux? Ah, Harakiri, peut-être, je te regarde. Chotto. Si je me fais Harakiri, je vais mourir. Je comprends pas ça, je sais pas ce que c'est Harakiri. Ah zut, tu ne t'es pas laissé avoir, même pas drôle. Ok, on fait comme ça alors. Si tu veux la vie sauve, bats-moi à un jeu. À un jeu? Après tout, c'est moi qui t'ai tout dit. Je peux bien te laisser une chance. Tu plaisantes quand tu dis que tu veux me tuer, n'est-ce pas? Quel genre de jeu? Une roulette russe avec un baril est plein. Mais c'est la mort assurée. Hein, qui sait, le revolver pourrait bien s'enrayer. Un revolver, ça ne s'enraye pas, d'abord. Ah, tu étais au courant. Pas question de jouer à la roulette russe, de toute façon. Ok, tu ne serais pas un peu capricieux pour quelqu'un qui va se faire tuer? Je te défie à me battre à ce jeu. Quel jeu? Un jeu où le perdant doit subir un gage. Les règles sont simples, celui qui pioche la carte la plus forte de ce tas gagne la partie. D'où est-ce qu'il a sorti ce paquet de cartes? À moi, pioche! Draw! Oh, la déesse de la victoire est décidément bien sournoise. Un 7, tu as donc une chance sur 2 de me battre.
Qu'est-ce qu'il a depuis tout à l'heure? Nico. Ah ah ah. Fin du tour. Je termine mon tour. Trnindo. Allez, pioche. Et essaie donc de me battre pour voir. Ah, Destiny Draw. 1-7. Quoi? Non, je n'y crois pas. Michichi, ça ira. Décidément, tu m'étonneras toujours. Un match nul dans un duel aussi important. Tu ne me déçois pas. Je n'ai pas fait exprès, mais bon. Mais dommage pour toi, car il fallait me battre. Il ne te reste plus que 3 points de vie. Alors tu fais quoi? Nishishi. 3 points de vie, et on est en train de jouer à quel jeu de cartes là? Yu-Gi-Oh? Fragment d'amitié obtenu. Ça c'était drôle. Ça c'était drôle. Encore un Astro Cake pour l'enfant que tu es, Kokichi. Oui, c'est pas trop mal, ça ira, tu as du goût, pas autant pour moi. Non. Kokichi, tu veux encore jouer avec moi aujourd'hui? Ah, ça ira, aujourd'hui, je suis d'humeur à me boire un petit thé avec toi. Boire du thé avec moi? Ok, d'accord, allez, c'est décidé, on va au réfectoire. Attends, Kokichi. Ah, délicieux, je me sens revivre. Oui. J'oblige tous mes hommes à prendre une pause thé et biscuits l'après-midi. Ah oui, vous avez l'air de bien vous amuser, dis-moi. La paix et le calme sont indispensables dans la vie. Je suis contre la violence. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les envoie en Sibérie. En Sibérie? Je me demande s'ils vont bien d'ailleurs depuis le temps. Quoi? Ça fait si longtemps que ça? Mais ne t'en fais pas. Pour toi, ce n'est pas la Sibérie qui t'attend, mais le paradis. Ça ne me rassure pas vraiment. Bon. Ok. Sérieusement, tu ne veux vraiment pas t'engager dans mon clan? Je t'aime bien en plus. Qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Non merci. Non merci. Ah bon? Mais je croyais que tu ne voulais pas mourir. En effet, mais travailler pour des criminels, très peu pour moi. C'est vrai, quel dommage. Tu devrais pourtant bien réussir à me divertir en venant travailler pour moi. Non. Travailler avec Kokichi? Non. Pourquoi il y a ce blanc là? Bien, je ne vais pas tarder à y aller. Finalement, nous n'aurons même pas joué. Quel dommage. Hein? Oui, je t'ai dit qu'il ne te restait plus que 3 points de vie. 2 maintenant. Ça n'a pas l'air de te tracasser plus que ça. Attends, c'est toi qui m'as proposé de boire ce thé ici. Et alors, je ne vois pas ce que ça change. Quoi? Oh oui, c'est ce visage que je voulais voir. N'oublie pas que je suis un despote. Je ne vis que pour me délecter du malheur des autres. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Nishishishishishishishishi. Information sur Kokichi Uma, obtenue. D'ailleurs, j'ai jamais regardé les informations, mais de toute façon, c'est du copier-coller de... Enfin, du copier-coller, c'est... un résumé de ce qu'ils nous disent. Et cette fois-ci, nous allons lui offrir un caramel sukiyaki. Caramel au goût de sauce, soja sucré, viande et œufs. Chaque goût est bien distinct et ne se mélange pas. Ça m'a l'air très bizarre comme caramel, mais ok. Oui, c'est pas trop mal, tu as du goût, blablabla, compte sur moi pour te surprendre. Ça ira. Allez, aujourd'hui, on joue. Tu connais le jeu du genou brûlé? Le jeu du genou brûlé? Oui, tu dois te mettre à genoux sur une plaque brûlante pour me supplier de ne pas te tuer. Si bien sûr, tu as vraiment envie de rester en vie. Mais si je fais ça, je vais mourir. Et se mettre à genoux, ce n'est pas un jeu. Ah zut, tu t'en es aperçu? Évidemment! Bon alors, le barbelé équilibriste, tu connais? Le barbelé équilibriste? Oui, il suffit de traverser un fil barbelé sans chuter. Celui qui y arrive gagne le duel. Ah, ce fil est juste tendu entre deux gratte-ciel et il est électrifié. Tu vas le traverser toi aussi, bien sûr? Bien sûr, j'ai un très bon sens de l'équilibre. Ah, tu m'as cru? Bon, on va faire un autre jeu. Ne s'arrête donc jamais de mentir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Un jeu où on risque sa vie, c'est mieux, hein? Kokichi, si je gagne, tu ne me tues pas. C'est bien le but, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Mais pourquoi tu veux alors absolument qu'on risque notre vie? Et pourquoi pas? C'est juste une question de frisson de la mort, non? N'oublie pas que je suis un despote. Flirter avec la mort, c'est mon quotidien. Tu ne peux plus traverser ce fil barbelé, alors. Tu ne veux plus traverser ce fil barbelé, alors. Ah, évidemment que non, ce jeu, c'était un mensonge. Je commençais presque à m'habituer à ce qu'il me raconte. Bon, et si on jouait à pierre, feuille, ciseaux? Tu es sérieux? Mais c'est juste de la chance. Nishishi, c'est pour ça que c'est drôle. Bonne chance pour rester en vie. Yes. Tu es prêt? 1, 2, 3, pareil. Bon, 1, 2, 3,
Encore ? Nishishi. Nishishi, tu vas tenir encore combien de temps ? 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Encore pareil. Oh. Ah, fatigué là. Ça fait bien 100 fois qu'on sort la même chose. Bon, on finit ce duel, oui ou non ? Moi, je veux bien. Oh, et puis, ça ira pour aujourd'hui. Tu t'en tires bien, hein ? À propos, tu savais qu'il était possible de sortir exprès la même chose que son adversaire dans ce jeu ? Quoi ? Nishishi ? Non, il aurait fait exprès de ne pas gagner. Mais pourquoi il aurait fait ça ? Je t'ai dit qu'il ne te restait plus que 2 points de vie. Mais je plaisantais, bien sûr. Tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais quand même, 100 fois d'affilée la même main. On dirait que le détective ultime se doute de quelque chose. Mais tout se termine bientôt. Profite bien de tout ça tant que tu peux encore. Ok. Ok, Kokichi. Et pour ce dernier free time, pour que tu puisses laisser ma vie sauve, je t'offre encore ces caramels bizarres. Kokichi, sauve-moi, laisse ma vie sauve. C'est pas trop mal, pas autant que moi. Sayara, je t'attendais bien aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Il est comme à son habitude. Impossible de savoir s'il plaisante ou s'il est sérieux. Yes. Bien, ça va donc être notre dernier jeu. Tadam. Oh. Hein? Un couteau? Non, tu ne vas pas me... Nishishi, ne sois pas aussi impatient. C'est pour notre jeu. Tu connais le jeu du couteau? Le jeu du couteau? Oui, on met sa main sur la table et on plante le couteau entre ses doigts comme ça. Ah, mais c'est trop dangereux. On va jouer à ça aujourd'hui, ok? Un peu de pression, ça ne fait jamais de mal. Non, non, sans rire, je n'ai pas envie de me blesser. Qu'est-ce que tu racontes si jamais tu perds? Ce n'est pas une simple blessure qui t'attend. Et voilà, il recommence, il est vraiment sérieux? Bien, je commence. Kokichi posa une main sur la table et prit le couteau dans l'autre. C'était la première fois que je lui voyais un air aussi sérieux. Voilà donc le vrai visage du despote ultime. Yes. J'y vais. Ça a l'air d'aller vite. Tap, 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 tap. Quelle vitesse! Comment il fait pour éviter de se toucher les doigts? Cela... Kokichi? Du sang commençait à couler de sa main. Je me précipitais sur lui pour l'arrêter. Attends, je vais te soigner. Oh, il le soigne. Mais Shuichi, il fallait le laisser crever. Je le soignais sans attendre avec une trousse de secours. Mais pendant que je m'occupais de lui... Nishishi? Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrêtait pas de rire de façon étrange. Voilà, j'ai fini, ça va? Oui, la blessure n'était pas profonde, mais merci quand même. Mais... Haha, je crois que j'ai perdu, tu m'as battu, bravo! Je n'ai pas encore joué, ce n'est pas grave. J'ai perdu de toute façon, c'est bon. Et puis, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est-à-dire, te tuer. Je suis toujours vivant, je crois. Mais j'ai réussi à remplir tes pensées et ton cœur de ma petite personne. Quoi ? Depuis que je t'ai dit que j'allais te tuer, tu n'as pas arrêté de penser à moi, pas vrai ? À te demander si j'étais sérieux ou non. Ah ah, je ne t'ai pas quitté d'une semelle tout ce temps. Nishishi, avec ça, tu ne devrais... Qu'est-ce que tu racontes et pourquoi tu as voulu faire ça d'abord? Je n'ai fait que te mentir, je n'ai jamais voulu ta mort. Je t'avais pourtant prévenu que j'étais un menteur, non? Je ne trouve rien à lui répliquer. Je crois que je n'arriverai jamais à comprendre ce qui se passe dans ce cerveau. Oui, il est bien trop insondable. Mais être conscient que je ne pourrai jamais le comprendre, c'est aussi le comprendre un peu. Et voilà, votre amitié s'est renforcée, Kokichiuma, nouvelle faculté mensonge bienveillant acquise. Les liens ultimes. Ah, un nouveau succès déverrouillé, ça c'est bien ça. Je quittais Kokichi et rentrais dans ma chambre. Oh, et le slip de Kokichi. Waouh, sacré slip Kokichi. Slip de Shuichi. Oh, du coup on a eu le slip de Shuichi vu qu'on a tous les slips de tout le monde. Intéressant, sacré slip, c'est le... Waouh. Un sacré slip, Shuichi. Vraiment le meilleur. Vraiment le meilleur de slip là. Waouh. Et du coup, Kokichi ralentit la réduction d'influence en mode mensonge. Qui est valable dans les débats non stop. Oh, ça c'est intéressant. Ça en vrai, ralentit la réduction d'influence. En vrai, c'est pas mal. Donc, du coup, on a fait les free time de tous les personnages. Et j'espère que vous aurez apprécier liste des compétences. Mais du coup j'ai masse compétences et genre je ne sais pas ce que je pourrais mettre.
Il m'en manque certains, mais je pense que c'est les trucs qui soutiennent à... au casino. Donc voilà, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette petite... que ce soit mon let's play sur Danganronpa V3 Killing Harmony, que ce soit les petites vidéos que j'ai fait dessus, les free time. On se retrouvera très très sûrement pour Danganronpa Trigger Havoc ou Danganronpa 1 en let's play, je ne sais pas quand, on verra bien quand j'aurai un créneau de let's play de libre, puisque bon, voilà, je passe en priorité les nouveaux jeux qui sortent, hein, notamment Sword Art Online Fatal Bullet, Shingeki no Kyojin 2, quand il y aura aussi, cette année il y aura aussi Convine, il y aura le Black Bullet, pas Black Bullet, Black Clover, il y aura tellement de jeux, pas mal de jeux cette année. Je sais pas si je pourrais faire ce let's play sur Danganronpa de sitôt, mais vous inquiétez pas, je le ferai, tout comme Danganronpa 2 qui est en train d'être traduit, je le ferai aussi un jour. Mais d'abord on fera Danganronpa 1, faisons tout dans l'ordre. Et si jamais un Danganronpa 4, 5, 6, 7, n'importe lequel sort, eh ben, je le ferai aussi, puisque je sais que, voilà, vous adorez Danganronpa, moi aussi j'adore maintenant, et je suis impatient de pouvoir à nouveau faire des vidéos sur un Danganronpa. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas fait, on se retrouve la prochaine fois, allez, bye tout le monde.